Énorme affiche dès la deuxième journée de Dominos League 2 entre le Racing Club de Lens et en avant Guingamp. Les Bretons vont essayer d'obtenir leur premier succès de la saison après le nul 3 buts partout contre Grenoble lors de la première journée, mais ça s'annonce compliqué dans la chaude ambiance de Bollaert. Les Sang et Or se sont imposés 2 buts 1 sur la pelouse du Mans lors du premier match et veulent faire le carton plein. Ce serait l'occasion de prendre confiance pour les Lensois s'ils parvenaient à s'imposer pour la deuxième fois de suite et contre un tel adversaire relégué de Ligue 1 Conforama. La première opportunité est lensoise avec un bon débordement, le centre en retrait et ce tir de Gaëtan Robaille. Bonne parade, réflexe du pied de Marc-Aurel Caillard. Pas beaucoup d'autres chances en première période, 0-0 à la mi-temps entre les deux équipes. Si la première rencontre de Guingamp était folle avec 6 buts dans le match contre Grenoble, cette fois-ci ça l'est un peu moins. Les Bretons qui essayent de tenir le résultat alors que Lens insiste au cours de la seconde période. Guingamp réussit aussi à avoir une chance de marquer. Enfin un tir intéressant. Il est signé Ronny Rodelin. Une petite possibilité pour les joueurs de Patrice Lair. Et ce sont ceux de Philippe Montagnier qui sont les plus dangereux. Encore une chance au deuxième poteau avec ce long ballon. Manqué de très très peu par Simon Banza. Mais les Sang-et-Ors continuent à attaquer. Robaille dans la surface. La balle légèrement en retrait vers Florian Sotoka qui n'expédie le ballon que sur la barre transversale alors que le but était grand ouvert. Il ne parvient pas à marquer ce premier but du match. Les Lensois commencent vraiment à douter. Et Guingamp tire le point du nul. Encore une chance alors qu'il reste une dizaine de minutes à jouer. Ce centre et au deuxième poteau, Mounir Chouillard qui réussit à pousser la balle au fond. Il est entré sur le terrain à la place de Banza à la 71e minute et à la 83e. Il marque le but du 1-0, deuxième but déjà cette saison pour Chouillard. Il avait marqué l'un des buts du succès lensois 2-1 au Mans lors du premier match. Il récidive et permet à Lens de se libérer. C'est désormais plus compliqué pour Guingamp qui essaye de sortir pour égaliser. Mais les Lensois vont encore de l'avant et trouvent un énorme espace. Gaëtan Robaille n'est pas signalé en position de hors-jeu. Il est tout seul pour aller défier et battre Marc-Aurel Caillard. 89e minute. Robaille marque son premier but sous les couleurs de Lens en match officiel. Il en avait inscrit 10 avec Valenciennes la saison dernière. Un but très important car il permet aux Lensois d'être totalement libérés. 2-0 pour Lens contre Guingamp, score final. Guingamp n'a pris qu'un point sur ses deux premiers matchs alors que Lens réussit le carton plein.